jours que je travaille sans arrêt là-dessus. Et cette fois-ci, je suis presque sûr d'avoir trouvé la cause de votre transformation. Lewis, tu crois qu'on n'est pas capable de la trouver toute seule? Moi, c'est par la queue que ça a commencé. Et toi, Cléo, ça a été la queue ou autre chose? Fichez-lui un peu la paix, il essaie de nous aider. Ouais, exactement. C'est la science. La science, la clé qui ouvre la porte de tous les mystères de la vie. Mais vous avez l'air de vous en foutre complètement. Non. Bon, écoutez les filles, dans une semaine environ, je pense que je devrais avoir la possibilité de vous... Ah bon, j'arrête. Lewis, vas-y, parle. Ok, je parle. Il y a une dame qui arrive aujourd'hui qui fait des recherches sur les dauphins au Marineland. Elle s'appelle Denman. Eh bien, elle a eu son doctorat à 21 ans. C'est effrayant. Et aujourd'hui, elle est devenue un des plus grands experts au monde pour ce qui est de l'évolution des mammifères marins. Si j'arrivais à mettre le nez dans ses recherches... Et tu crois pouvoir entrer en contact avec une scientifique de ce niveau? Ben, pourquoi pas, j'ai mes méthodes. Pas question, tu ne vas pas révéler à une vraie scientifique ce qui nous arrive. Eh les filles, vous me connaissez, je vais pas gaffer. Vraie scientifique? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut pas qu'elle sache ce qui nous arrive. Et si elle voulait faire une dissection? Si elle révèle au public qui on est? C'est une grande biologiste et elle doit être équipée d'un bon matériel, celui de l'école en comparaison, c'est des jouets. Si vous voulez des réponses, il faut que j'ai accès au matériel et à toutes ces recherches. Et comment tu vas obtenir tout ça sans vendre la mèche? Je lui ferai du charme. Non, sérieusement. Oh, lâchez-moi les filles, je vous demande juste de me faire confiance. D'accord. Il faut bien qu'on sache ce qui nous est arrivé. Tu n'arriveras pas à la rencontrer. Je vous dis que j'y arriverai. Cléo. Lewis, on n'a pas le droit de venir ici, tu le sais. Oh, ça c'est vraiment du lourd. Et comment elle est? Elle passe son temps avec les dauphins. Un petit jus de pruneau? Oh. Est-ce que je peux vous aider? Merci. Vous êtes le docteur Damon? Oui, je suis bien le docteur Denman. Eh ben moi, c'est Lewis McCartney. Lewis McCartney. Lewis McCartney. Oui. C'est vous qui m'avez envoyé au moins 48 mails pour le poste d'assistant de recherche? Oui, c'est moi. Oh. Vous êtes un passionné, ou alors c'est du harcèlement? Oh, du harcèlement. Je vous présente Cléo, et voilà mon CV, si vous voulez. Vous merci. Pouvez. Ravie de vous connaître, Cléo. Et Lewis, je dois vous dire que je trouve votre attitude admirable. La science est la clé qui ouvre la porte des mystères de la vie. Vous pourriez peut-être nous montrer un peu ce que vous faites? Je suis désolée, mais je suis à un point crucial de mes recherches en ce moment. Mais je ne manquerai pas de regarder votre CV, ok? D'accord. Bye bye. Bye. Docteur Denman, on dirait qu'elle sort d'alerte à Malibu. Je me demande bien ce qu'elle vaut. J'ai regardé sur le net. Elle a écrit un papier important dans le cadre de son doctorat. Mutation chez les mammifères marins. Elle a un peu de crédit. Oh, et surtout de la chance. Je parie que c'est même pas une vraie blonde. Quoi? Moi, ce qui m'inquiète en fait, c'est Lewis et l'état dans lequel ça l'a mis. Si seulement vous l'aviez vu. Imaginez que, sous son influence, il lui raconte ce qui nous est arrivé. Et qu'est-ce que tu comptes lui dire exactement? Oh, faites-moi confiance, je vous en prie. Tout ce que je veux, c'est l'accès à son laboratoire, c'est tout. Parce que tu la trouves mignonne, oui. Comment ça, je la trouve mignonne? Vous croyez vraiment que je fais attention à ce genre de choses? Je suis un scientifique. Et puis d'ailleurs, je vois pas trop ce qu'on peut lui trouver. Ah, oh, c'est elle! N'empêche qu'il a déjà son numéro en mémoire dans son portable. Docteur Denman, comment allez-vous? C'est un rire nerveux. C'est mauvais signe. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il tortille sa mèche? Absolument. Très drôle, je vous trouve vraiment drôle. Vous avez le sens de l'humour. On va avoir des problèmes. Oui. Ah non, 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 ça m'intéresse à un travail expérimental. Ah oui, quand vous voulez. De jour comme de nuit. Ouais. Ah, j'ai vraiment hâte de commencer.
Bon, eh bien c'est clair. On peut te faire confiance. Quoi? Essaie de l'oublier durant 5 minutes. Il s'agit de nous dans tout ça, je te rappelle. Tu ne dois rien lui révéler de ce que tu sais, c'est compris? On risque trop gros. Docteur Denman? Lewis? Je suis là. Je vous présente Marge. Marge m'aide beaucoup dans mes recherches. Elle n'est pas magnifique. Oui, super. Vous pouvez me prendre l'appareil? Oh oui, volontiers. Pourriez-vous m'aider à la retirer? Oui, bien sûr, je vous aide tout de suite. Merci. Voilà. Merci. Ok, maintenant, je vais vous montrer votre lieu de travail. Et c'est comme ça que mon travail aux îles Galapagos a été un tournant et que je me suis spécialisée dans la mutation des mammifères marins. Qui aurait cru que cela générerait un tel... intérêt dans la communauté scientifique. Oh. Incroyable. Je vous demande pardon. Oh non, c'est tous ces appareils. J'en ai entendu parler, mais là... Waouh. Voilà ce que vous obtenez quand tout le monde met de l'argent dans votre projet de recherche. C'est fantastique. Par quoi je vais commencer? Oh. Un microscope électronique. Non. L'évaporateur d'ion. Oh. Le photomètre d'absorption atomique. Et si vous commenciez par la serpillière? Ah? Oui. Tu passes la serpillière? Et ça va nous apporter quoi, à ton avis? Je sais très bien ce que je fais, les filles. Déjà, j'ai accès à son labo. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un échantillon d'ADN comme, disons... un bout d'ongle coupé. D'accord, d'accord. Il me restait 2 petites expériences à faire et je pensais que je pouvais revenir pour les terminer. Vous êtes consciencieux? Mmh. En fait... Je suis en plein sur un truc, là. Oh, oui, bien sûr, non, je veux pas vous interrompre. Je vais revenir aux expériences précédentes. Ok, je vous laisse faire. Ouais. Juste... Allez, ça va. J'étais sûre que vous alliez craquer. Des petites expériences. Eh ben, voyons. Vous regardez quoi? Oh, rien, non. C'est juste un truc. Un truc que j'ai trouvé sur la plage du sable ou je sais pas quoi. C'est... Non, c'est rien de spécial. Pourquoi dire d'une chose qu'elle n'a rien de spécial? La moindre cellule a une histoire à raconter. Oh, j'avais pas vu l'heure. Il faut vraiment que j'aille au bahut. S'agit-il? Oh mon Dieu! Docteur Denman, j'ai dû oublier ma... Votre échantillon? Je suis sûre que ça n'est pas du sable.
Mais en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est personnel comme recherche, c'est... Pas de problème. J'ai rien dit. Ok. Je voulais vous dire, j'ai prévu d'aller plonger demain et j'aurais besoin d'aide. Ça vous dit de venir travailler avec moi? Oh, ah oui, ce serait cool. Je vous attends. Ok, d'accord. Lewis, elle a vu l'échantillon, t'es pas réglo, vieux. Oh, allez, n'en faites pas un fromage, c'est un accident. Et puis c'est une scientifique, c'est normal entre scientifiques. De lâcher ses amis? Non, de comparer nos résultats, c'est comme ça qu'on progresse. Qui ça on? Ben nous, les scientifiques, notre soif de savoir est la seule chose qui nous guide, croyez-moi. Elle est super cool. Et si sa soif de savoir la pousse à nous disséquer? Non, c'est pas du tout son genre. Mais là, il faut que je vous quitte. On en reparlera demain? C'est rare que Lewis soit aussi loufoque, non? Celles qui sont d'accord pour ne plus faire confiance à Lewis, levez la main. D'accord. Il faut qu'on l'ait à l'œil. Lewis, la science ne doit pas servir uniquement à satisfaire votre curiosité. Elle doit toujours avoir un but. Elle doit apporter quelque chose aux autres. Ah, bien sûr, je suis complètement d'accord. Il n'y a que la science qui puisse changer le monde, Dr. Denman. Mais oui, je vous en prie, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, appelez-moi Linda. Linda? Pourquoi? Je m'appelle comme ça. Ah. On a besoin de tout ça? Oui. On se servira de presque tout aujourd'hui. Ce qu'il y a de cool avec la science, Lewis, c'est que les jouets aussi sont cool. Bon, alors où est-ce qu'on va? J'avais pensé à l'île de Mako. L'île de Mako? Mais c'est pas une bonne idée. Il n'y a rien à voir là-bas. C'est nul. Il y a plein de gros requins. Plein. Arrêtez, Lewis. Ne me dites pas que vous avez peur des requins. Moi? Ah non, 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 pas du tout. Mais Mako, c'est bien. Bon. Lewis est un crétin complet. Un crétin. Il l'emmène sur l'île. Il faut qu'on soit là-bas avant eux. On y va? Que je vous ai pas vu m'espionner là-bas. Alors, on n'a plus confiance ou quoi? Confiance? La confiance est morte le jour où tu as donné notre ADN à une biologiste marine de renommée mondiale. Non, moi je crois plutôt que c'est quand il a accepté d'aller au petit rendez-vous de Miss Alert à Malibu sur Mako. Tu es allé trop loin, Lewis. Vous n'avez plus confiance en moi? Vous osez dire ça après ce que j'ai fait pour vous? Oh. Vous vous rendez compte, le temps que j'ai passé à chercher des réponses aux questions de base, à comprendre surtout pourquoi vous êtes comme ça, et voilà comment je suis remercié. Mais il s'agit de nos vies. Il faut qu'on fasse attention. Et tu peux peut-être faire un peu attention, toi aussi. Je vous dis ce que j'en pense. Vous n'êtes vraiment qu'une bande de gamines. Le docteur Denman, elle, c'est une femme. Elle est un peu plus... mature. Lewis. Bonjour. Déjà de retour? Il faut prendre le temps de vivre. Oh, et vous alors? Vous êtes tout le temps ici? Parce que ma vie est ici. Et j'espère qu'un jour ce sera la mienne aussi. Peut-être plus vite que vous ne pensez. Quoi? Lewis, je viens de recevoir une importante subvention d'une grosse entreprise pour partir 6 mois en mission scientifique dans un endroit de mon choix. C'est vrai?
Super! Félicitations, vous le méritez. Je vous veux dans mon équipe. On sera tous les deux, Lewis. Ce qui veut dire beaucoup de boulot, des voyages fréquents, peut-être dans d'autres pays. Qu'en pensez-vous? J'en ai parlé à vos enseignants. Le gouvernement veut bien subventionner votre voyage et il y a même une ligne de crédit pour votre travail. C'est super, mais il faut sans doute que j'en parle avec... Que vous en parliez à vos parents, oui. Mais il me faut une décision demain. Je pars pour mon laboratoire aux îles Galapagos après-demain. C'est là que se trouve notre base. Ouais. C'est incroyable. Non? C'est vrai que c'est une occasion qui ressemble à la chance de ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop. Mais si tu savais comme je suis heureux qu'elle me trouve assez douée pour le faire. Je t'en prie, arrête. Quoi? Tu crois que c'est après ton cerveau qu'elle en a? C'est pas du tout ce que tu crois entre le docteur Denman et moi, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Seulement, qui te dit qu'elle ne cherche pas à avoir d'autres échantillons? Non, non, je suis sûr qu'elle a oublié tout ça. Dis, tu ferais quoi, toi? Eh bien, comme tu disais, c'est la chance de ta vie, tu en auras peut-être pas d'autres. C'est ce dont tu as toujours rêvé. Et il n'y a rien qui te retienne ici. N'est-ce pas? Tu as raison. Je vais partir. Merci, Cléo. D'ajouter de l'eau. Le phénomène de mutation spontanée des cellules. Oh non! Cléo, qu'est-ce que tu fais ici? Je regardais un truc pour un ami. Il est interdit d'entrer dans le labo. Ordre du docteur Denman. En plus, ils vont venir chercher du matériel de valeur aujourd'hui. Bon, d'accord. Cléo. Oui? Que je te reprenne part au départ ici. Ressemblait à un article pour une revue scientifique. C'était exactement le genre de truc dont tu nous rabattais les oreilles. Ça prouve qu'elle a toujours l'échantillon d'ADN. Il était dans une petite boîte blanche. Alors, Lewis? Elle ferait pas ça. Et on dirait même qu'elle a étudié cet échantillon, fait des tests. Je vous assure que c'est pas son genre. Faudrait peut-être ouvrir les yeux, Roméo. Sur quoi? Ce que vous dites ne repose sur rien. Et Cléo, tu as lu un bout d'article auquel tu ne comprends rien. Bien assez, en tout cas, pour voir que c'était les mêmes trucs que tu racontes. Et alors? J'ai peut-être influencé sa façon de voir. J'ai une très forte personnalité. Ou alors, dites-moi, pourquoi elle me veut dans son expédition? Vous ne vous êtes jamais demandé s'il ne pouvait pas y avoir une raison? Je sais pas. Elle apprécie peut-être mon jugement. Et ton coup de serpillière? Il a pété un câble. C'est grave. Il faut qu'on trouve le moyen d'entrer dans ce labo. Ah, petite correction. C'est vous qui devrez y aller. Moi, je perds mon job, les filles, si on me trouve là-bas encore une fois. Allez, oust! Docteur Denman! Lewis! J'ai une question, vous pourriez me répondre franchement? Allez-y. Vous avez toujours l'échantillon que j'étudiais? Oui. Vous n'êtes pas obligé de... Vous avez dit oui? J'ai dit oui. Il est là avec ce qu'on a prélevé à Mako. Et j'espère qu'un jour, Lewis, vous voudrez bien me révéler l'endroit où vous l'avez trouvé. Vous savez que vous avez là quelque chose d'extraordinaire. Des cellules qui changent complètement leur structure moléculaire en entrant en contact avec l'eau. Ça semble impossible. C'est impossible! Mais le fait est là. Je ne peux pas me l'expliquer. Nous devons faire beaucoup d'autres tests. Vous me l'avez volé?
Lewis, si je vous déçois, j'en suis désolée, mais je n'ai jamais eu l'intention de vous flouer. Pourquoi pensez-vous que je veuille vous emmener avec moi? Est-ce que c'est mon charme qui agit? Pensez-vous pouvoir trouver d'autres échantillons? Comment je peux vous faire confiance? Je vous ai prouvé que j'étais une bonne scientifique et je vous ai dit que je croyais en votre talent. Je vous remercie. Venez-vous avec moi demain? Je pourrais voir vos travaux? Bien sûr, William. Je raterai ça pour rien au monde. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus. Il y a toutes les chances qu'elle arrive à le lui faire dire, vous croyez pas? Quoi? D'où vient l'ADN? Il faut qu'on récupère cette boîte. Lewis ne va pas nous trahir complètement. Pas lui. Arrête un peu de faire confiance à la nature humaine. Il nous a déjà trahis. Tu es la seule à ne pas le reconnaître. Comment ça se fait? J'ai beaucoup de mal à le croire. Lewis est... Lewis est notre ami. Où tu vas? Je vais lui parler. Même si c'est pour la dernière fois, il faut que je lui parle. Vous venez? C'est son bateau. Allez, venez. On n'aura pas de mal à les rattraper. Attends. Je pense que ça risque de dévoiler définitivement notre secret, les filles. Oh, tu as raison. Désolée. Mais on ne va pas laisser partir Lewis comme ça. Partir? Ben oui, tu prends le large sans rien dire, c'est... Lewis, t'es resté sur le quai. J'ai un sens de l'observation très aigu, Cléo. Tu as pu le reprendre? Elle t'a pas mis le grappin dessus? Oh, tu rigoles. J'allais gober son truc comme quoi j'étais un grand scientifique. Arrête. Et ce que j'ai vu sur son ordi, les articles et tout ça. Quand elle va ouvrir le dossier, elle va trouver que tout a été effacé. Oups. Non, le docteur et moi, on fait plus équipe. On est contente que tu sois là. Ah. Merci, Cléo.